annoncerait le départ du cortège royal. L'honneur qui m'est choix de vous accueillir dans cet hôtel de ville où vous venez pour la première fois en votre qualité de roi de l'Arabie Saoudite. Désireuse de souligner l'importance de cet événement, je n'entends pas pour autant faire oublier qu'à l'époque où vous étiez le ministre des Affaires étrangères, du grand homme d'État que fut Sa Majesté le roi Abdelaziz, vous avez déjà eu l'occasion de faire amplement connaissance avec notre pays et avec sa capitale. Riyad, votre capitale, à Médine et à la Mecque, ville du prophète Mahomet et berceau de l'islam, à Jeddah, le grand port maritime, à tout votre peuple enfin, dont le destin grâce à vous est marqué du sceau de la grandeur et de l'espérance. أيها صاحب الجلالة. Sa Majesté, le roi d'Arabie Saoudite. صاحب السعادة الرئيسة. أيها الأصدقاء. إنه ليسرني أن أتقدم إليكم بعظيم شكري وامتناني لكل ما تفضلتم به من حسن استقبال ومن مشاعر نبيلة تجاهنا يا أصدقائكم. إنه من دواعي سرورنا أن تكون العلاقات بين بلدينا وشعبينا على أحسن ما يرام في جميع المجالات وكل النواحي. إن كل ما تسير عليه المملكة اليوم هو بلا شك يسير على المخططات التي وضعها جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. إن توجيهات جلالته في توثيق العلاقات مع فرنسا كانت وإنني لا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوثيق العلاقات فيما بيننا والتعاون والتكاتف في كل ما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا وما فيه مصلحة البشرية أجمع. Je voudrais réitérer mes remerciements et mon appréciation pour l'accueil et pour l'hospitalité qui ont été réservées à notre égard par nos amis ici en France, et on voudrait vous remercier.